La plupart du temps, avant que l'enfant commence à marcher seul ou en s'appuyant sur les meubles, il est recommandé de le laisser pieds nus. Cette pratique permet de ne pas nuire à la fluidité de ses transferts de position au sol. Les chaussures serviront principalement à le protéger du froid et, selon la surface, à éviter qu'il se salisse les pieds ou encore qu'il se blesse. Choisir des chaussures pour son enfant est souvent un casse-tête. Les questions se bousculent, les modèles sont nombreux et les envies des enfants sont la plupart du temps différentes des exigences des parents. Lorsque le pédiatre, le podologue, votre kiné ou votre ostéopathe vous dit que l'axe du pied n'est pas idéal, à ce moment-là, il est intéressant de s'orienter vers des chaussures qui seront un peu plus montantes. Certains modèles sont facilités. Lorsque l'enfant devient autonome, il peut ouvrir et fermer lui-même la chaussure. Mais il est important que même ce genre de chaussures se lasse correctement pour s'adapter à la forme du pied. Ici, on a un modèle qui monte et qui englobe les os de la cheville. On a un modèle qui vient au-dessus des malléoles des os de la cheville. Et ce modèle va vraiment aider à augmenter la stabilité de l'enfant lorsqu'il se tord facilement la cheville, lorsque l'un des professionnels de santé vous recommande d'aider l'enfant à vraiment se stabiliser. Lorsque votre enfant veut pratiquer une activité sportive, c'est très bon pour son développement, c'est très bon pour le développement de ses muscles, des interactions avec d'autres enfants, c'est très bon pour sa confiance en lui, c'est vraiment excellent. Choisissez un sport qu'il aime tout d'abord, il faut que ça reste une expérience très positive. Choisissez un sport qui va lui permettre de se développer sans sur-solliciter, sans aller trop loin dans ce qu'il va demander à son corps. Il faut que ce soit vraiment adapté à son âge. Mais les professeurs, habituellement, sont vraiment habitués à tout cela et quel que soit le sport choisi, il sera adapté à l'âge de l'enfant. Donc, aux alentours des 4 ans, 5 ans, parfois un peu plus tard, 6 ou 7 ans pour certains sports, on peut commencer une activité physique en club. Pour cela, choisissez toujours le chausson adapté. Il faut qu'il y ait une bonne stabilité et de l'amorti. L'amorti va aider à ce que l'enfant ne reçoive pas trop de chocs en sautant, en courant et du coup ne développe pas de pathologie, de type pathologie de croissance qui se loge au niveau des articulations et qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Donc lorsque l'enfant à nouveau se plaint de ses pieds, de ses genoux, de ses hanches, il est important de consulter. Un enfant qui se plaint de ses pieds, de ses genoux ou de ses hanches ne joue pas la comédie. Les pathologies de croissance arrivent souvent chez des enfants qui aiment le sport et qui en pratiquent à partir de 3 fois par semaine de manière sérieuse. Il s'agit donc de gestes répétés, de gestes intenses pour son corps et qui vont dépasser les limites de ce que ces articulations sont capables de fournir comme effort. Donc les pathologies de croissance sont une altération du cartilage et lorsque ça survient, il faut vraiment demander à l'enfant d'être raisonnable et de s'arrêter un moment. Consultez votre podologue, votre pédiatre ou votre kinésithérapeute, physio, pour bien prendre en charge ce genre de pathologies qui peuvent avoir des conséquences graves à l'âge adulte si on est passé par-dessus et si cet enfant très sportif n'a pas accepté de faire une petite pause dans son évolution sportive pour prendre soin de lui. Lorsqu'un enfant se plaint de ses pieds, consultez un podologue, un physio ou votre pédiatre. À ce moment-là, ce professionnel aura des questions ciblées pour définir où l'enfant a mal, quelle est réellement cette pathologie qui est en train d'apparaître et dans quelles circonstances l'enfant développe cette douleur. Ça peut être tout à fait anodin, ça peut être une chaussure qui ne serait pas adaptée, donc une chaussure qui bougerait trop et qui l'obligerait à faire ce travail d'orteil à chaque pas. Tout simplement, ça peut suffire à créer des tensions importantes et des douleurs.
Donc là, il suffit de choisir correctement la chaussure de l'enfant et tout rentre dans l'ordre. Il peut aussi s'agir de problèmes d'un pied qui n'est pas bien axé, d'un pied qui est un peu sur l'intérieur en valgus ou sur l'extérieur en varus, ou d'un genou qui ne travaille pas bien dans l'axe, etc. À ce moment-là, c'est votre professionnel de santé qui le décèle, qui le détecte et qui vous donne tous les conseils adaptés. Il peut s'agir de petits exercices, d'étirements, de semelles orthopédiques. Il y a tout un tas de solutions qui se présentent pour ce genre de soucis. Concernant les semelles orthopédiques, elles peuvent être réalisées pour les enfants à partir de 2 ans et demi, vraiment pas avant. Il faut vraiment laisser à l'enfant la possibilité de développer son contact au sol et sa façon de marcher le plus naturellement possible. Une fois que l'enfant commence à marcher, le port des chaussures devient plus important. Cependant, afin de ne pas contraindre le développement du pied, les chaussures doivent être souples, bien ajustées et avoir des semelles antidérapantes. Il faut laisser l'enfant développer son contact au sol et sa propre réaction pour se muscler correctement, pour essayer de laisser toutes les articulations faire leur rotation et leur développement naturel. Mais si ce n'est pas suffisant, sur les conseils de votre docteur, physio, etc., on peut réaliser des semelles orthopédiques pour les enfants. C'est d'autant plus intéressant de les faire jeunes que ça permettra aux os de son pied, de sa cheville, de son genou, de grandir en bonne position. Si ces articulations grandissent et se solidifient en bonne position, l'adulte aura un genou, un pied plus résistant que si on laissait le défaut se développer. La semelle orthopédique peut s'adapter à plusieurs chaussures. N'hésitez pas à venir en consultation avec différentes paires pour que le podologue voit ce que l'enfant a l'habitude de porter. Donc, elle se glisse à l'intérieur des chaussures en retirant la semelle d'amplitude ou pas. Ça dépend des modèles, ça dépend du volume du pied de l'enfant. Certains ont les pieds très potelés et d'autres les pieds très fins, donc le podologue s'adapte aussi à cela. Il existe différents recouvrements qui peuvent être vraiment adaptés au sport ou un peu plus, ou des recouvrements qui seront plus fins, donc avec des éléments mieux ressentis par l'enfant. Mais à ce moment-là, la pratique du sport n'est peut-être pas appropriée avec, puisqu'il y aura peut-être un peu moins d'amorti sur ce genre de semelle. Donc le podologue s'adapte au pied de l'enfant, à la chaussure et au type d'activité pratiquée. Votre podologue pourra donc réaliser les semelles orthopédiques en fonction de la taille du pied de l'enfant et de la pointure portée à ce moment-là. Il est bon d'apporter différentes chaussures pour voir où en est la croissance du pied. On réalisera la semelle la plus longue possible pour qu'elle puisse être portée sur 1, 2, 3 pointures éventuellement en faisant des retouches, etc. Mais il est possible de les garder un certain temps, de les remettre un petit peu en état au fur et à mesure pour que l'enfant les garde un temps raisonnable et que ce ne soit pas un coût démesuré pour la famille, puisque se soigner, c'est aussi quelque chose que l'on doit prendre en compte au niveau du budget et votre podologue saura être raisonnable et s'adapter aux possibilités. Tout ça pour dire que ce pied, qui nous rend de grands services, est composé d'énormément de structures différentes qui travaillent ensemble pour notre stabilité, pour que l'on puisse marcher, courir et se faire plaisir. Et le podologue est là pour que tout se passe comme il faut et que les douleurs ne viennent pas perturber votre envie de bouger et de vivre pleinement. Des périodes de marche pieds nus à la maison, au retour de la garderie par exemple, ou dans le jardin, ou à la sortie de bain, peuvent également s'ajouter aux périodes de marche avec chaussures. Il faut éviter le port exclusif de bas sur les planchers glissants pour l'enfant en apprentissage de la marche, car il sera moins stable et risquera de chuter.